Et yo les gars, c'est comme ça, je vais faire une nouvelle vidéo sur F1 2020, les gars. On va faire une vidéo, on va créer un personnage là. On va choisir un personnage, hein. Pas lui. On va choisir un petit personnage qui va essayer de me ressembler quand même un peu. C'est une fille, on dirait là. Et il y a des filles dans le jeu. Elle ressemble un peu à. Ouais. J'ai dit un truc, on m'a dit, oh non, elle ressemble pas à lui. Ouais, ça me fait plaisir de commencer. Tac, on va prendre lui. Après, on va choisir le drapeau français. Hop, le nom. C'est Clem. Là, c'est. On peut pas mettre 111. J'y mets le boss. Vraiment. Je sais pas quoi mettre. Et là, ben. Mais ça s'arrête à clé. Hop, on descend parce qu'il y a écrit Clément. Regardez. B, C, E. Je suis là. Numéro 27. Bienvenue en Formule 1. Avant d'affronter les meilleurs, la plupart des pilotes ont couru en Formule 2. À partir de cet écran, vous. Et on va choisir Scuderia Alpha Turing. Mon coéquipier sera Pierre Gasly et on va choisir 22 courses pour la mode carrière. On va les mettre à 35. Non. 39, allez. Qualification courte. Dans la formation, je vais l'activer. Distance 25%. Et je vous cutterai au montage les séances d'essai libre, bien sûr. Parce que c'est beaucoup trop long. Alors là. Accélère le temps. Alpha Turing. Je vais rouler pour Alpha Turing qui était Toro Rosso avant mais qui c'est plus Toro Rosso. $300 000. N'a pas beaucoup hein. Allez, on a combien? On a 2000 points R&D. On va prendre une petite amélioration. Attendez. Attends, comment on voit les... Que pensez-vous de ça? Ah voilà. On est dernier en longévité. On va prendre un peu de.
Ah, c'est ça que je veux que je développe d'abord. Développer l'amélioration. Les derniers en légèreté. Côté. On est plutôt pas mal dans ce côté-là, hydraulique. Enfin, du côté châssis. Ça va nous permettre de passer devant Renault. Pour 1000. Allez. Pas terré d'échouer. Ça coûte plus de 300, 1000, 1000. Et là, on est au milieu de tableau, ça va encore. N'a pas la pire voiture encore. Avec mon compatriote Pierre Gasly pour cette première saison. Parce qu'après, on changera peut-être de d'écurie. Et on fera peut-être. Ou peut-être que Pierre Gasly changera d'écurie, je ne sais pas. Ouais, les chargements sont longs. Je pense que je vais vous les coter en montage. Et on se retrouve tout de suite pour la course. Pour la qualification et pour la course. Parce que je vais faire les essais de mon côté. Et on est reparti pour les qualifs. On est reparti pour les qualifs. Alors, info de la session. Il n'y a personne. Allez, c'est parti. Donc là, on a un calife et vous allez voir comment je suis nul. Il y a quelqu'un devant en plus. C'est vraiment gros gens. Va nous faire chier, Romain Grosjean, allez, accélère. Oh bah déjà, hein. Même en qualif, on va faire des flashbacks. Deux fois, bon. Exploser la voiture. Vous voyez comment je suis nul à ce jeu? En même temps, la première fois que de ma vie que je touche un F1, alors. Si j'ai déjà un peu joué avec Emilien, parce qu'il a le 18, mais. Mais je me faisais rouler dessus, donc c'était pas. C'est super dur à conduire. Hein. Alors déjà que je galère avec mon Alpha Turin. Et j'ai créé une écurie sur un autre compte. Parce que je passe 4 quand même. J'ai créé une écurie sur un autre compte. Et franchement les gars. Je peux pas jouer en ma écurie pour l'instant. En mon écurie. Parce que c'est vraiment trop dur. Faut que je m'habitue au jeu. J'ai fini P20 avec des ordis au niveau 3. 35-40 je crois. J'ai fini P20. Là si je finis dans les 10-13 premiers ça va encore. Putain mais je suis trop un con moi aussi. Il me double et puis moi j'accélère comme un PD. Je ralentis Vettel et puis voilà, tant mieux pour lui. On retourne le garage, cinquième, mais y a pas tout le monde qui est parti, tu vois. Notre meilleur tour jusqu'ici est de 1 minute 34,7. Voilà. Ah, c'est Pierrot qui est là. Je suis 11e. Treizième, 15e. Voilà.
À 8 minutes, je pars, moi. Allez, quitter. Prendre la piste. Départ lancé. Oh putain, j'ai fait une connerie. J'ai vraiment pas été bon. Attends, j'ai gagné là-dedans. Il nous reste deux tours de carburant. Pas que je suis bien là. On va faire un flashback parce que là... Oh la connerie ce que je viens de faire. Perds tout mon temps. Mais putain, j'ai encore fait une connerie. Il me reste combien de temps? On a pris du temps à réparer la voiture. Là, c'est mort. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Bottas, Leclerc et Max Verstappen. Eh ben ça promet pour la course, ça promet. Je m'attendais à une meilleure séance, mais on n'est jamais à l'abri d'une déconvenue. Essayez de faire mieux durant la course. Comment elle vient de me parler? Alors là, elle... C'est la première course de la saison et malheureusement, on s'élance du fond de la grille. Montre à l'équipe que tu vaux mieux que ça. On a combien de tours? 15. Bien, on va faire chauffer la voiture pendant ce tour. On vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passer. Je suis pas en manuel. Oh
Oh putain, vu que je suis parti avant, j'ai pas fait la mise en grouille. Oh le con. Je vais les attendre là. Bon, ils arrivent quand? Va arriver. Oh le con. Mais ils mettent du temps, hein. Ah, ils arrivent. Coucou, coucou, coucou. Ils ont toujours pas mis la nouvelle Merco. Il me passe à travers au sol. Le contact! Oh alors là! J'aurais dû freiner un peu plus tôt. Je viens de placer derrière Raikkonen! Oh là là! Le Dave Bomb! Oh putain! C'est qui est derrière moi? Je crois que c'est. J'ai dépassé qui là? Sur la gauche? Putain, je l'aurais. C'est Pierrot! Je laisse passer. Mais putain, mais deux fois! Putain, encore. Ah oui. Putain, mais encore! On va faire quoi? J'ai compris ce qu'il faut faire là. Ça nous a permis de gravir encore deux places. Double dive bomb dans le premier et troisième virage. Oh 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 Lance Stroll. Alors déjà que t'es pas très aimé par les concurrents en F1. Commence pas à me faire des chars à bois comme ça. Hein. Mais putain, mais c'est deux fois qu'il me l'a fait. Putain, enculé. Eh, mais il m'a fait perdre toutes mes places. Allez, passe. On ne fera pas perdre toutes mes places comme ça. Putain, j'active pas le RS aussi. Mal qu'ils vont plus vite que moi. Ça passe pas. C'est pas la zone de derrière ça, c'est la ligne droite super longue là. Yes,
ce premier tour. Continue sur ta lancée. Bah oui, bien. On va faire un flashback. Ah mais les gars, moi je fais des flashbacks sur flashback, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Les cassés sont les droits avant sur moi. Oh, c'est Gasly! Oh non! J'ai envoyé Gasly hors course! J'ai envoyé mon coéquipier hors course! Oh putain, je suis con. Bah oui, il est au stand, je l'ai envoyé au stand! Oh le con! Et du coup, bah je suis pas concentré. Les gars, moi, c'est ça va être flashback sur flashback, hein. J'ai envoyé Gasly hors course. Je l'ai pas envoyé hors course, je l'ai envoyé dans les stands. Oh le con! C'est mon coéquipier! Oh, ça va pas bien se passer. Oh là là, la connerie que j'ai fait. Je pense que le Pierrot, là, après la course, il sera pas content, hein. Bien pris le virage. Oh, ce que je lui ai mis, par contre. Pour Valtteri Bottas. Allez, j'ai mis à... Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la... Putain, le con. Je regardais ce qu'il disait, le mec. Drapeau jaune. Leclerc! C'est Leclerc! On n'a pas de dégâts. C'est Leclerc! Quelques infos à propos de Leclerc, ils sont forfaits. Charles Leclerc hors course! Oh putain, j'ai fait une connerie. Magnussen qui est revenu sur moi. Magnussen qui va me doubler. Je peux lui aussi l'envoyer au stand. Sans avoir de pénalité. Ah si, j'ai eu un petit avertissement collision avec... Putain, j'ai fait mon LP. Collision avec Gasly. J'ai pas enlevé le RS, j'ai pas enlevé le RS. Du coup, le déploiement. Le RS il se consomme pour rien et le RS se consomme pour rien lui aussi. Oh là 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 là, Qatar. Il a le DRS. Je suis mort. Là, il revient pas. On marque trop de carburant. Passe au mélange 3 pour régler ça. Mélange 3. Tant que je suis en ligne droite. Et du coup, je me suis chié.
Du coup, je viens de me faire doubler par Latifi. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Et oh là 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 là. Pas d'investissement pour ça. Oh là là, comment j'ai coupé le virage. C'est sûr, c'est que je peux pas faire de contre-perf. Ici à Melbourne. Car j'ai fait 20e. Et que je peux finir que 19e. Après l'abandon de Charles Leclerc. Attention derrière moi. Des restes, vous. Ton dépassement qui n'a plus de déploiement, attention, Romain Grosjean dans mon dos. Oh putain, le con. Putain. Deux fois que je finis dans le bac à sable. Au même virage. Contre seul, il passe pas. Hein. Hop, tiens, prends ça, Raikkonen. Même pas d'avertissement. Ah, si. Et pas le DRS. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras les médiums. Oh putain. Il m'a fait chier là. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? C'est moi qui prends la pénalité. Regardez juste. Ouais, c'est moi qui dois prendre la pénalité aussi. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer? Stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Il me rentre dedans! Et c'est moi qui prends les avertissements! Pourquoi? Et pourquoi c'est moi qui prends les comptes? Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Je ressens parce que l'aileron est mort à cause de l'autre, la petite fille là. C'était 7. Chose des médiums, bon ça va. Le temps que j'ai perdu 9 secondes dans les stands. Oh putain. Hein? Ah lui aussi il avait l'aileron de mort alors.
Ah, 9 secondes dans les stands, le temps que j'ai perdu. Fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Et je repars 19ème. J'espère que ça va mettre un undercut aux autres, parce que du coup on est passé à 2 dans les stands. Ça peut certainement mettre un undercut aux autres, enfin avec mes 9 secondes du coup non. Si deux t'ont un aileron cassé, ça peut passer, mais... Oh putain le con! Finir 20ème, 19ème, peut-on. Y'a personne qui passe au stand au 6ème tour. Y'a mon coéquipier Pierrot devant. Non putain le con. Désolé, je voulais pas faire de flashback. Y'a Pierrot devant. Devant Russell, mais loin devant. On a tous les deux pris 9 secondes lors des stands. J'ai oublié d'enlever le RS. Depuis tout à l'heure, je roule avec le RS. Il est mort, j'ai plus de déploiement. Et j'arrive même pas à récupérer George Russell alors que j'ai une voiture plus rapide. Dans des vidéos vraiment longues, par contre je suis désolé pour ça parce que je pense que je laisserai tout le ok, je vais laisser tout le Grand Prix. Et les qualifs je vais les laisser, après je vais cut tout le reste, ça sera vraiment long hein, je suis désolé pour ça. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ces pneus. Mais ils en sont comment les pneus là? C'est bon. J'ai oublié le DRS. Vu qu'il m'a parlé de pneus, je sais pas quoi. Mais bien long. On va reprendre deux là pour avoir le DRS. Même il y a 2 secondes. Ah, c'est mort. Oh merde. Réfléchis à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ?
Attends, je vais faire un flash parce que j'ai... Je suis déjà dernier. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Oh putain, le con que je suis. Oh! Oh putain, la merde. La voiture, elle est incassable, c'est pas possible. Pas faire de flashback pour ça, parce que c'est entièrement de ma faute, là. J'ai fait de la merde. Ça tourne plus! J'ai abandonné parce que là c'est mort. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Je suis obligé d'abandonner parce que là j'ai fini la voiture. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? C'est Valtteri Bottas qui remporte le championnat. Le championnat. Principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler de la qualité du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Vettel, j'avais ralenti son chrono en qualif. Et Leclerc, il a abandonné, comme ça au moins. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Valtteri Bottas s'empare de la tête du classement et devient le leader du championnat après le résultat d'aujourd'hui. Alors Nicolas Martin, qui sera le pilote du jour? On a vu beaucoup de belles choses en matière de pilotage aujourd'hui, Julien. Ah, je suis mort. Sergio Perez qui a merveilleusement bien roulé. Le moment est venu en de classement. Le classement des constructeurs. Je suis 19e. Bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire. Ah, je suis mort. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine. Regardez ça, je suis plus bon que Charles Leclerc. Je pense que c'est un peu à cause de moi que Pierre Gasly il a fini 14e. Au tout début de course, je l'ai fait changer l'aileron. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est comme ça, vous allez peace tout le monde.